Les vacances, ce n'est pas toujours évident, surtout pour les parents qui travaillent. Alors, et particulièrement ce 2 janvier, il fallait trouver un centre d'accueil ouvert. Baby Jim était au rendez-vous dès 8h30 ce matin. Et Léna, ravie, d'autant qu'elle est venue en robe de princesse. Tu es contente d'être là? Oui. Pourquoi? Parce qu'on m'appelle la princesse couronne. Ah, tu aimes les princesses, toi? Oui, j'aimerais manger aussi la reine des neiges et aussi la arrière. Ah, d'accord. Et là, t'es habillée en quoi? En réponse. Ah, disons, mais il y en a plein des princesses, alors. Quel est l'endroit que tu préfères ici? La piscine. Elena n'est pas la seule à aimer la piscine. Quentin aussi. Je m'amuse beaucoup. Quel est l'endroit que tu préfères? C'est lequel? La piscine à balles. Ouverte depuis 3 ans, cette structure accueille les enfants de 10 mois à 10 ans pour un éveil sportif, mais aussi d'autres activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants avant 3 ans ne peuvent venir seuls. Il y a des temps libres, des temps calmes. Voilà, c'est une vraie journée bien rythmée avec des enfants. Alors vous me dites qu'il y a des enfants qui peuvent arriver même très très jeunes, mais à ce moment-là, il y a la présence des parents obligatoires. Exactement, on accueille les enfants à partir de 10 mois. Et donc pour les enfants à partir de 10 mois, donc là c'est en lien avec la relation parent-enfant. On leur propose des activités, donc des séances de 50 minutes avec une coach sportive diplômée dans la petite enfance. Et donc tout au long de la séance, ils évoluent sur le parcours de motricité qui se trouve derrière moi. À partir de demain, les centres aérés et autres structures du Sud ouvriront leurs portes. Ce sera alors vacances, j'oublie tout, mais j'ai plein de choses à faire.